Salut, c'est Kelena et comme vous le voyez, je suis sur la démo de Detroit Become Human, donc un jeu qui sort le 25 mai, un jeu que je ferai sur ma chaîne. Donc je n'ai pas fait la démo, on va la découvrir ensemble. Alors, si on va augmenter la luminosité. Oui. Oh Dieu. Langue. Français, français. On va en mettre en moyenne pour que ça soit bien lisible. Difficulté. On va mettre en occasionnel hein, parce que. Commande. Vibration, non. Haut-parleur. On va laisser le haut-parleur de la manette. Commencer la démo. Une histoire avec des commandes simplifiées, un défi plus abordable, avec moins de chances de perdre un personnage. Immersion. Non, on va le faire en occasionnel. août 2038. 20h29 et 6 secondes. Voir un peu ta tête. Ah, il est pas mal. Non, arrêtez, je suis. Droit. Ah. Caroline Phillips en 2001. Emma Phillips et John Phillips. Y a rien. Non, non, de l'autre côté. Gouramine. Oh, on va le sauver, le pauvre petit poisson. Je vous en prie, vous devez sauver ma petite fille. Quoi? Vous avez envoyé un autre oeil? Venez, madame, vous ne pouvez pas rester. Vous ne pouvez pas faire ça! Vous devez envoyer un véritable être humain! Éloignez ce truc de ma fille! Trouvez le commandant. R2. Commandant Allen, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. Cet androïde tire sur tout ce qui bouge. Il a déjà descendu 2 de mes gars. On pourrait facilement le descendre, mais ils sont sur le rebord de la terrasse. S'il tombe, elle tombe aussi. Nom du déviant. Connaissez-vous son nom? J'en ai aucune idée. Ça change quelque chose? J'ai besoin d'informations pour déterminer la meilleure approche. Savez-vous s'il s'est déjà comporté étrangement auparavant? Écoute, la
La priorité, c'est de sauver cette gamine. Alors occupe-toi de ce putain d'androïde, ou c'est moi qui m'en occupe. Comprendre ce qui s'est passé. Sauver l'otage à tout prix. On va déjà essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors... des balles... et un flingue. Alors, utiliser L2 et R2 pour voir la constitution. Le déviant a pris l'arme du père. L'enfant n'a pas entendu de coup de feu. Bon, on sait qu'il s'appelle Daniel. Chambre de l'otage fouillée. Non, il n'y a rien. Examiner les victimes. Premier sur les lieux. Officier Anthony Descard. L'otage a assisté à la fusillade. Le policier a tiré sur le déviant. Arme localisée. Ces agents d'armes par un androïde sont strictement interdits. On prend.
voulait débloquer un dialogue et une action souvent magnifique. Ah. Attends, faut éteindre ça parce que ça va tout... Ça va niquer les plaques. Hein. Petit tour sur lui-même. Ça, c'est le père. Hémorragie, ouais, il s'est pris une balle. Ah, pas qu'une, mais il s'en est... Tenez quelque chose. Là. Votre commande d'Android AP700 a été... Ah, il a commandé un nouvel Android. Ah, l'autre il a pété les plombs parce qu'il allait se faire remplacer. Ok. Putain, non. Ouais, je pense que j'ai tout fait. Non. Oula. Non, faut pas mettre dans la bouche, c'est pas bon. Alors, semble frais. Allez, on va voir si on sauve la petite fille ou pas. Tranquille ! Fais pas un pas de plus ou je saute ! Non, ne fais pas ça ! Je t'en supplie ! Allez, allez, allez ! Bonsoir, Daniel ! Comment ? Je m'appelle Connor ! Comment tu connais mon nom ? Je sais beaucoup de choses sur toi ! Je viens de sortir de ce mauvais pas ! Je veux juste discuter et trouver une solution. Discuter ? Je veux pas discuter ! C'est trop tard de toute façon. C'est trop tard. Est-ce que t'es armé ? Oui. J'ai une arme. Lâche-la ! Pas un geste brusque ou style. Voilà. Je n'ai plus d'armes. Je sais qu'Emma et toi étiez très proches. Tu penses qu'elle t'a trahi, mais elle n'a rien fait de mal. Elle m'a menti. Je croyais qu'elle m'aimait. Mais j'avais tort. Finalement, elle est comme les autres humains. Daniel, non! Il perd du sang. Si on ne le conduit pas à l'hôpital, il va mourir! Tous les humains finissent par mourir. Quelle différence si celui-ci meurt maintenant? Je vais lui poser un carreau, d'accord? Ne touche pas! Touche-le et je te tue!
Tu ne peux pas me tuer! Je ne suis pas vivant! Il voulait te remplacer par un autre androïde et ça t'a contrarié! C'est bien ce qui s'est passé! Je pensais faire partie de la famille! Je croyais que je comptais! Mais j'étais que leur souhait! Un objet qu'on jette une fois qu'on l'a utilisé! Il n'y a pas d'issue, Daniel! Ce que tu as fait est trop grave! La seule question est de savoir si tu vas faire une autre victime innocente! Ce n'est pas ton choix! La balle est dans mon camp! Si je meurs, elle meurt aussi! Tu m'entends? Je ne peux plus supporter ce bruit! Fais dégager cet hélicoptère, maintenant! Quand j'aurai quitté la ville, je la laisserai partir. Ce n'est pas possible, Daniel. Libère la fille, et je te promets qu'on ne te fera pas de mal. Je veux pas mourir. Tu ne vas pas mourir, nous allons simplement discuter. Il ne va rien t'arriver. Bah, 100%. Ok. Je te fais confiance. Ah non, pourquoi il tire? Tu m'as menti, Connor. Mission complete. Alors, voici l'arborescence de la scène. Vous pouvez consulter les chemins que vous avez pris, ce qui reste à explorer et les possibilités que vous avez déverrouillées. Alors, début de la mission, sauver le poisson. Ben, ça, je l'ai fait, sauver le poisson. Recherche des indices, c'est bon. Sortir, nombre du souhait blessé. Il m'en manque un. Le déviant dehors. Sauver le policier blessé. Mentir au déviant. Et c'est un peu, on a battu le déviant. Ouais. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Regarde-toi! Tu dois accepter le monde tel qu'il est. Ou te battre. Mon nom est Kara. Mon nom est Marcus. Je m'appelle Connor. Ceci est notre histoire. For the players. Alors, dans Détroit, vos choix modifient le déroulement de l'histoire. Les scènes peuvent varier sensiblement selon votre façon de jouer et avoir des conséquences à long terme. Voulez-vous rejouer cette chaîne et découvrir le nom? Bon, ben voilà, ça n'a pas duré longtemps, hein, mais c'était très bien. C'était très stressant, le...
la dernière partie où on doit sauver la petite fille. Bah voilà, c'est tout. Hein. On attend le jeu avec impatience. Enfin, moi, je l'attends. Et ce sera le 25. C'est combien aujourd'hui ? On est le 1er mai aujourd'hui, donc dans 24 jours. Bah voilà, c'était tout. Allez, salut !